Téléstar, pour quelle raison est-ce vous êtes-vous lancé dans l'aventure The Voice? Tariq, j'ai participé à un événement en ligne pendant le confinement durant lequel on devait chanter nos compositions. Il s'y est avéré que le directeur de casting de The Voice était présent. Il m'a contacté en me proposant de faire les castings. Je n'y croyais pas trop mais j'y suis allé. Vos proches ont-ils bien accueilli la nouvelle? Ils ont été étonnés. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ils étaient aussi surpris que moi. Si est-il normal après tout parce que j'ai commencé à faire des scènes il y a seulement 3 ans. Je regardais déjà l'émission et certains candidats m'ont touché comme Luan, Kenji Girac, Slimane, Claudio Capeo, Abby, Antoine Dely. Mon univers musical est large, Charles Aznavour, Angèle, 1995. Point Jamie les musiques à texte en fait. Comment la musique est-elle entrée dans votre vie? J'ai débuté en faisant des scènes avec mon collège. Je n'ai pas eu l'occasion de monter sur scène après le bac. Un soir de match avec des amis on a eu un délire, j'ai fait un freestyle et j'ai commencé à écrire à ce moment-là. J'avais pris des cours de chant mais le slam et le rap sont arrivés naturellement. Avec ces registres je peux plus facilement faire passer des messages forts et des émotions. Parlez-vous du titre de votre audition à l'aveugle? Chemin de traverse de Grand Corps Malade est une chanson magnifique. Elle résonne en moi parce qu'elle parle de ce choix que doit faire tous artistes entre la voie scolaire et artistique. La comparaison avec Grand Corps Malade doit être évidente. Évidemment et si est super flatteur. Si est un artiste qui fait de la poésie urbaine incroyable. Après mon intérêt n'est-ce pas de faire la même chose. J'ai mon propre univers. Vous avez interprété Mon Chéri, l'un de vos titres. Comment est-il né? Si est-il la première chanson que j'ai terminée et elle m'est venue assez vite. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu parler de l'avortement. Si est-il un acte très difficile et je voulais que chacun comprenne cette douleur. Ces thèmes sensibles vous touchent-ils de près ou de loin? Les sujets que j'aborde sont importants et parfois d'actualité mais ce qui peut paraître étrange si est-ce qu'ils ne me sont pas familiers. J'ai eu une enfance merveilleuse et je n'ai jamais eu de problème particulier. Si est-ce pour ça que j'aime parler de choses qui sont dures pour certains. Jamie me mettre à la place des autres. Si est-il important, encore plus aujourd'hui, qu'on soit dans l'empathie et dans la tolérance. Vianney a été bouleversé. Il n'est pas revenu vers moi directement car le tournage devait se poursuivre mais je ne souhaite pas en parler. Marc Lavoine s'est retourné et vous avez de fait intégrer son équipe. Heureux? Totalement. Si est-il lui que je voulais donc j'ai eu beaucoup de choses. À ma grande surprise, il s'est retourné. Nos univers ne sont pas trop éloignés. Si est-il un grand monsieur de la chanson, si est-il un amoureux du texte, comme moi. Il accorde une importance particulière aux mots. Comment envisagez-vous la suite?
Je veux simplement profiter un maximum, apprendre, rencontrer des artistes. J'ai pensé aussi à la suite. Je garde la tête froide. D'abord, je finis mes études et j'écris mes chansons. Dans l'émission, je compte vraiment surprendre déjà et prouver que slammer et rappeur n'est pas chose aisée. Après, il n'est pas impossible qu'on m'entende chanter.